Rentrée scolaire 2023-2024 est effective depuis le 9 septembre en Côte d'Ivoire. Ici, au lycée municipal 2 Gadier-Pierre de Yopougon, les élèves ont répondu présents pour ce premier jour d'école. Après la vérification de leur nom, les élèves se sont rendus en classe pour suivre les cours. Dans cette classe de 3e, les élèves suivent une séance de révision en mathématiques sur le calcul littéral. Je leur ai prodigué des conseils par rapport à la réussite. Surtout, c'est une classe d'examen. Ils doivent se mettre au travail. Et le travail paye toujours. Il ne faudrait pas qu'ils comptent sur la tricherie. Ici, en 3e, le programme est assez long et donc les élèves doivent se mettre effectivement au travail pour avoir un bon résultat en fin d'année. Chaque élève attaque cette rentrée scolaire avec des objectifs précis. C'est le cas de Nice en classe de 3e et de Ryan en classe de terminale. Ces deux élèves ont pour objectif commun cette année la réussite à leur examen. Pour cette rentrée scolaire, je me sens bien parce que je retrouve beaucoup d'amis. Nous discutons, nous parlons de tout et de rien. En tout cas, je suis concentrée pour cette année et je prévois avoir mon BPC avec mon sien. Les décisions que j'ai prises pour moi, c'est de beaucoup étudier, me concentrer, ne pas bavarder cette année, être focus sur mes études seulement. Je me sens un peu enthousiaste parce que la rentrée, ça crée beaucoup de stress, tout ça. Donc, je me sens un peu enthousiaste. Et je suis vraiment heureux de pouvoir intégrer la nouvelle classe qui est la terminale. Mon objectif cette année, c'est la détermination, mais plutôt et surtout la réussite pour avoir mon bac. Les dispositions que j'ai prises, c'est l'étude en premier lieu, mais aussi beaucoup persévérer, parce que quand tu persévères, ça donne toujours. La rentrée scolaire, c'est aussi les premiers pas des élèves en classe de 6e. En 6e, vous n'êtes plus au CM2. Au CM2, vous avez un seul enseignant, c'est-à-dire le maître. Ça va? Mais au collège, il y a plusieurs enseignants qu'on appelle professeurs. Présentement, moi je m'appelle Madame Gobi, je suis votre professeur de français. J'ai vu mon nom, Madame Gobi. Ces élèves venus de l'école primaire découvrent le collège avec des émotions différentes. Je me sens bien, je suis content de passer dans une autre classe supérieure. Oui, je suis content d'être au 6e. Je vais passer en 5e. Et je vais être le meilleur. Je me sens bien parce que ça a été un dur travail pour moi. À l'aide de mes parents et de mes enseignants, aujourd'hui je suis ici. Donc j'aimerais leur dire merci. Et c'est une sensation forte pour moi. C'est ma première fois, donc je suis un peu stressée, un peu joyeuse, un peu de tout. Mon objectif, c'est de pouvoir faire honneur à mes parents, à tous ceux qui m'ont aidé dans la vie. Les parents de leur côté ont tenu à accompagner leurs enfants pour ce premier jour. Objectif, découvrir le cadre scolaire. J'ai accompagné ma fille parce que c'est son premier jour d'école. Et il fallait que moi-même je vienne voir le cadre, voir son emploi du temps, si je peux, voir les enseignants. En tout cas, me m'acquérir un peu de son cadre de scolaire. Et c'est très important parce que les parents doivent suivre l'évolution scolaire de leurs enfants. Il y va de leur réussite. Pour cette année scolaire 2024-2025, le lycée municipal 2 Pierre Gadier a un effectif de 2912 élèves. Ici, tout est mis en œuvre pour respecter le quantum horaire. Les cours ont véritablement commencé, débuté. Et demain, on continue pour respecter, comme j'ai dit tantôt, le quantum horaire. Et ce qui est important, c'est leur inscription en ligne. Après l'inscription physique, nous savons que c'est 500 francs pour les macarons, 500 francs pour les activités extrascolaires. Donc, qui fait un total de 1000 francs. Et donc, nous acceptons tous les élèves qui ont fait leur inscription en ligne. Et nous pensons que le reste, on leur donne le temps de venir payer les 1000 francs. Mais en attendant, ils suivent les cours. Donc, que les parents, les retardataires, nous les appelons de venir. Parce que l'année scolaire, la réussite d'une année scolaire commence le premier jour de la rentrée.
pour la réussite de cette année scolaire, des autorités comme Adama Bictogo, maire de la commune de Yopougon, ont pris des engagements pour encourager les élèves dans leur cursus scolaire. Il a annoncé la prise en charge jusqu'à la terminale des élèves de la 3e qui obtiendront le brevet d'études de premier cycle avec la mention. La Côte d'Ivoire est demain compte sur vous. Hein. Dans 15 ans, 20 ans, nous on sera déjà à la retraite et je devrais m'asseoir et puis je regarde à la télévision, je reconnais tous ces visages-là en train de prendre la Côte d'Ivoire, porter la Côte d'Ivoire encore plus haut. Vous savez, la nation ivoirienne, vous devez être les ambassadeurs de la fierté de l'Est-Ivoirien. Le pays compte sur vous. Et je crois que vous avez des visages vraiment engagés. Et je suis convaincu que vous allez réussir. L'année scolaire 2024-2025, c'est un total de 44 semaines qui comprend une période d'enseignement et d'apprentissage de 30 semaines, soit 1200 heures, et une période d'examen de 9 semaines.